Bonjour à tous, c'est Bi61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Tomb Raider Legend, donc pour l'épisode 6 normalement, si je dis pas de conneries. Donc je vous rappelle que la dernière fois du coup on avait quitté Tokyo pour arriver au Ghana, puisqu'en fait on est à la poursuite de Rutland, puisque Rutland possède, je vous le rappelle, un morceau de la fameuse épée qu'on avait vu notamment durant la... sa première rencontre, hein, quand on l'avait rencontré sur une espèce de pont de liane, là, je sais plus comment on appelle ça, pont à cornes. Et du coup, monsieur est au Ghana, donc on va essayer de récupérer son fameux fragment. On ne sait pas ce qu'il mijote ici pour l'instant, mais en tout cas, on veut notre part. Donc je descends parce que ici, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir dans la vidéo précédente, mais il y avait un petit trésor. Qui nous fait un total de 5 trésors, donc on est plutôt pas mal. Ça pourrait être mieux, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà mieux que rien. Sinon, alors là, je vois qu'il y a une espèce de passage, mais c'est juste quand on tombe dans l'eau, ça, je crois. Il n'y a pas de. Je crois pas qu'il y ait de trucs planqués, non. Je suis curieux, du coup, j'ai envie d'y aller. Je vais voir. Si ça se trouve, il y a peut-être un trésor sous l'eau, on sait pas. J'en ai pas particulièrement le souvenir, mais on ne sait jamais. Pour l'instant, je vois rien de particulier. Ah bah tiens. Quand on parle du loup... Voilà. Impeccable. Bon, je pense pas qu'il y en a un deuxième, faut peut-être pas pousser. Mais j'ai quand même allé vérifier. Parce que bon, on ne sait jamais. Remarque, non, parce que oui, cette zone-là, je la connais finalement. Du coup, est-ce qu'en me laissant tomber, j'ai pas... Ah non, ça va, il y a quand même un passage techniquement. Donc ça... Parce que je pense que vous avez compris où je voulais en venir, c'est que j'ai pas envie de tout me retaper, quoi. Même si l'eau, je l'ai activée, donc c'est déjà une chose de faite, mais bon, quand même. Voilà. Donc c'est bon, ça passe. On retourne un petit peu au début du niveau, finalement on le voit d'un point de vue différent. Oh merde, je suis foiré. Décidément, les fails commencent. Ouais, on va continuer de monter. Vous allez finir par croire que je vous mentais quand je disais que c'était facile, non? Parce que là, tout est en train de me décrédibiliser, mais je ne retire pas mes propos, ça reste un jeu très simple pour moi. Et il y avait un truc aussi que j'avais oublié de vous aborder dans la vidéo précédente, quand j'y pense, vous savez bien que c'était un peu court, il me semblait que j'avais autre chose à dire. C'est que quand le jeu a été développé, donc du coup, bon bah ça a été jarté de Core Design. Eidos a refilé le projet à Crystal Dynamics, ça on le sait, hein, ça fait 120 fois que je le dis, et vous le savez sûrement déjà. Pendant cette phase-là, faut savoir qu'Eidos, ils avaient pas mal de problèmes de fric, et ils se sont fait racheter Alistair, par une société qui s'appelle SCI. Je n'aime pas ça du tout. Et en fait, c'est SCI qui gérait, entre guillemets, Eidos. Mais pas que, j'imagine, ils ont peut-être acheté aussi d'autres licences, je suis pas trop au courant. Durant ce projet, en fait. Ce qui fait que... ils voulaient des retours sur investissement, forcément. Quand tu t'attaches un truc comme ça, il faut qu'il y ait du cash qui rentre. Après. Donc je pense que ça a aussi joué sur le fait que le jeu est très orienté... de la merde. Mais ça doit expliquer aussi pourquoi le jeu est très orienté joueur occasionnel, quoi. C'est qu'il voulait vraiment... bah déjà, il y avait toute la recherche en amont, hein, comme vous avez expliqué, du projet pour essayer de définir ce que c'est vraiment Tomb Raider, ce que les gens recherchent dans Tomb Raider, etc. Plus c'est ce rachat, du coup... Alors, je crois que le rachat s'est fait en 2005, de mémoire. Donc, un an, entre guillemets, avant la sortie
de Legend qui est sorti en 2006. Putain, j'ai encore failli me foirer. Donc ouais, je pense que ça a dû peser dans la balance, mine de rien. Oh, wesh, un coup il marche, après il marche plus, c'est quoi le business? Laisse tomber, ça me casse les couilles. Le truc il marche une fois sur mille, tu comprends pas trop pourquoi. Zig, tu es là? Alistair? Ah oui, parce que c'est vrai, on a perdu contact avec eux. Ces ordinateurs, et je ne peux même pas leur parler. Voilà, elle soupçonne le fait que ce soit un problème informatique, mais bon, nous, en tant que jeu, on peut se dire qu'ils ont un problème, hein, clairement. Ça s'est terminé là-dessus. Là, le petit changement de côté, comme ça, c'est assez stylé aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'animations qui ont été rajoutées. Je crois que j'avais regardé le making of. Allô ? Est-ce que vous me recevez ? Il y a des fois, il y a des phases de jeu où, au total, le personnage cumule 11 animations différentes dans un même mouvement, quoi. Ce qui fait que... Putain, mais j'arrête pas de me foirer, c'est un truc de ouf. Mais ce qui fait que du coup, c'est très très fluide et les mouvements s'enchaînent très bien, même dans des situations où tu t'attendrais pas que ça fasse forcément ça, quoi. Donc ça fait vraiment des trucs assez stylés. Ce qu'on peut remarquer le plus souvent, c'est souvent quand tu tires, tu sautes en même temps, tu fais des roulades et tout s'enchaîne très bien. Les animations ne sont pas hachées dégueulassement en mode début d'ère PS2, quoi. Là, on sent qu'ils maîtrisent le matos. Bon, est-ce que je vais y arriver avec ces conneries, là? J'en ai marre de ce fail. Je suis pas mis pour ça. Hein. Allô? Est-ce que vous me recevez? Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Voilà, un petit point de contrôle, ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça fait là? Oh, chère Amelia, à jamais vôtre, Richard. C'était un honneur. Zip, tu m'entends? Où es-tu? Bonne question, je pense qu'il est toujours au même endroit, mais qu'il est un petit peu occupé sûrement. Ah, tiens, il y a des trucs qui brillent. Étrange. Oh, tiens, il y a des pics. Ça, on connaît bien, ça. Voilà, il n'y a plus de jus. Faut attendre que ça recharge. Voilà. Bon, cette fois, faut pas que je me foire, sinon ça termine en brochette. Voilà. Nice. Vous avez vu? Ok, ils ont pris cher eux. Ah. Oh, un autre. Ah, la grenade va pas assez loin, dommage. Je sais pas ce qu'a volé exactement, c'est des morceaux de mur ou quoi, mais c'était violent. Toujours avec mon fusil à pompe, il avait quoi comme arme? Parce que j'ai peut-être changé là. Ouais, j'ai peut-être ça, parce que c'est plus précis quand même, hein, mine de rien. Hein. Fusil à pompe, c'est cool, hein, mais bon, le jeu a quand même beaucoup de zones ouvertes et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté, quoi.
D'ailleurs, je suis en train de penser, je crois que pour revenir à l'histoire de SCI qui avait racheté Eidos, je crois que c'est eux aussi qui possédaient du coup notamment IO Interactive, ceux qui sont derrière la série Hitman. Il me semble que c'était ça, parce qu'après quand Square Enix a racheté du coup tout ça, ils ont acheté la licence Tomb Raider, Hitman et d'autres, évidemment. Peut-être avancer pour les autres. Ah, il y a plein de barils. Ah ouais, peut-être qu'on pouvait les pousser, j'avais oublié ce détail. Ça peut être drôle. On va essayer de le faire quand même. Mais en fait, ça sert pas à grand chose. C'est bien essayé quand même. Pff, attention de peut-être pas tomber, les gars. Bon. Alors il y avait un pont, mais ça c'était avant, parce que bon, vous avez remarqué qu'il y a eu quelques soucis entre deux. Mais si on aurait été, comment dire, si on serait allé en finesse techniquement, je pense qu'on aurait pu l'emprunter. Mais bon, ça fait partie du passé. Hein. Ah, pas falloir que je me faille cette fois. Voilà, faut pas que je fasse ça par exemple. Là, ça va être galère, là, toutes les cordes à choper. C'est vrai qu'avec un pont, ça aurait été plus simple, c'est sûr. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein, forcément. Il y a toujours des dommages collatéraux en cas de baston. Et ça nous profite pas, malheureusement. Ah putain, je ratterris là, en plus. Alors ça, par contre, il me semble de mémoire... que quand j'avais fait le mode difficile, c'était un passage où je suis mort pas mal de fois, mine. Parce que les ennemis font quand même pas mal de dégâts en mode difficile. Mais ça reste largement gérable, mais c'est juste que... Bah, à ce moment-là, il y en a vraiment beaucoup, en fait, ce qui fait que c'était très chaud. On va essayer de prendre le coup maintenant. On chope pas les cordes, c'est pas la folle. Voilà, comme ça moi j'aurais pas à galérer. Petit parcours de santé pendant que le mec te tire dessus. Bon, les grenades, il y en a à l'appel, hein, mais là, les soins, ils veulent plus trop en donner. Je regarde s'il n'y a rien ici. Ça va les coups de venir. Ah merde, il va les zapper, lui. Bon, il est tout seul, j'imagine. Ça a l'air. D'ailleurs, je sais pas ce que va devenir IO Interactive, parce que je parlais de ça là, tout à l'heure, le fait que Square Enix avait aussi acheté IO Interactive. Pour Tomb Raider, ça va, la licence se porte bien, mais je crois qu'ils ont eu pas mal de soucis pour la licence Hitman. Hein. Vu que la première série, là, ils l'avaient lancée en épisodique. Bon, je pense qu'elle a suffisamment marché pour qu'il y ait Hitman 2, même si Hitman 2, finalement, c'est très proche du Hitman 1. Hein. Je parle de... Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un reboot, mais de ce qu'ils ont fait là dernièrement. Mais c'est vrai que... En plus, franchement, c'est une licence qui me donne envie, parce que moi, je les ai, les Hitman, hein, faut savoir. C'est vrai que c'est une licence que je parle très peu. Parce qu'il y a un moment... En fait, des fois, il y a des licences comme ça, je crois que je vous l'avais déjà dit par le passé, mais il y a des fois, je parle pas de certains jeux volontairement dans le but d'éviter de laisser planer des doutes de Wakfu dessus, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en gros, si je vous disais tous les jeux que j'aime bien, que j'ai fait, vraiment tous, bah vous direz que c'est forcément parmi ces jeux-là que je vais faire les prochains Wakfu, donc il n'y a plus de surprise, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il faut savoir que les Hitman, moi je les ai
tout sur PC, je les avais achetés. En fait, la licence Hitman, moi, je l'ai découverte avec le premier. Je dirais pas forcément à l'époque de sa sortie, mais... Parce que je crois que le premier était sorti dans les années 2000, je crois. Peut-être 99, 2000 ou 2001, peut-être. Et moi, j'ai dû découvrir ça... C'est difficile à replacer, parce qu'en fait, j'ai découvert ça sur le PC de mon cousin, d'un grand cousin que j'avais... à l'époque, enfin que j'ai toujours, mais je veux dire, c'était... Parce que c'était un endroit où il venait d'aménager, en fait, j'avais passé les vacances là-bas avec mes parents, qui l'aidaient à faire les travaux, quoi. Et c'est comme ça que j'avais découvert le jeu, mais je sais plus... En quelle année remonte ce voyage, en fait, c'était à ça que je réfléchissais. Lara, vous cherchez la clé Galali, vous aussi? Parfait. Je ne vois absolument pas de quoi vous voulez parler. Oh, mais si, la clé qui permet d'assembler l'épée. Elle fait la taille du poing. Et d'après les travaux d'Amanda, elle est ici. Que savez-vous sur Amanda? Où est-elle? Alors, votre père a fait des fouilles ici, non? Amanda s'est dit que peut-être il avait la clé. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Parlez-moi plutôt de ce fragment d'épée que vous emportez partout avec vous. Ben, j'ai passé du temps à l'étudier et j'ai appris deux ou trois choses. Regardez bien. Et voilà, évidemment... Putain, le mec, il chauffe direct, soyez maudits. Vous aimeriez bien faire pareil, hein? Alors lui c'est pareil, de mémoire il est pas trop compliqué à buter, il aime bien le corps à corps par contre, mais c'est vrai qu'en plus là j'ai pas de soin. Donc ça risque d'être dangereux pour moi. Et bah voilà, forcément quand t'as pas de vie, ça n'aide pas. C'est vrai que là j'avais oublié que c'était maintenant qu'on l'affrontait, sinon j'aurais peut-être joué de manière plus safe pour avoir quelques soins en arrivant, mais bon, tant pis, on fait avec. Vous êtes prête? Regardez ça. Vous êtes prête? Regardez ça. Très bien. Comme vous voudrez. J'essaie de me concentrer, mais en fait, il y a une technique, quand il est en hauteur, vous voyez qu'il y a des petits trucs à casser. Et une fois que c'est cassé, on peut tirer avec le... Ah merde, il a réussi à faire tirer. Mais du coup, voilà, ça s'effondre et ça peut servir à le déstabiliser ou à lui faire des dégâts. Mais on peut s'en passer. Enfin, de mémoire, il me semble que c'était pas obligatoire. J'ai fait une petite... Et oui, j'ai des grenades, Putain, l'enfoiré. On m'a pas loupé, là. Vous n'imaginez pas cet avantage. Vous le sauriez si vous ne l'aviez pas laissé pour mort. Mais ne les gaspillez pas, Lara. Vous ne devez pas en avoir beaucoup. Ça bouffe la grenade. Là j'en ai plus vraiment. Parce qu'en fait à chaque fois il récupère de la vie en hauteur. C'est bon. Ce n'est pas moi votre ennemi, Rutland. Ces morceaux n'ont pas été brisés. Ils sont faits pour être séparés puis réunis. La clé Galali, c'est ça? Inutile que je vous demande d'où ça vient. Les croisades? Le roi Arthur? L'histoire ne m'intéresse pas. Alors restez donc ici et pensez à l'avenir. Mais ne m'associez plus à vos projets. Vous détesteriez me revoir. Votre père n'a peut-être pas trouvé la clé. Mais Amanda ne le sait pas. Elle doit déjà être chez vous. J'espère que vous êtes bien assurés. Quand même, j'essaie de te joindre depuis des lustres, tout va bien? Il veut bien défoncer la porte d'entrée. Il y avait une sorte de... J'ai jamais vu un truc pareil. De la fumée noire. J'arrive immédiatement. Non, ça va. Écoute, il faut que je la suive. Elle cherche un autre morceau de l'épée.
scanner et essaie de trouver un objet appelé Clé Galali. Quant à moi, on dirait que je pars pour le grand froid. Vois-toi. Non, ça va chauffer. Évidemment, toujours les jeux de mots. Il va faire froid, ça va chauffer, pourquoi pas. Ce gars n'a pas honte. Ce gars n'a pas... Ah, pas mal le jeu de mots, pas mal. Je valide. 57 minutes, pas de trésor doré, encore une fois, dommage pour moi. 2 argent et 4 bronzes. Bon, ça va, je me débrouille quand même pas trop mal. Je m'attendais pas forcément à récupérer autant, mais ça va. Bon, encore une fois, c'est vrai qu'il y en a aussi qui sont... Enfin, voilà, quoi, ils sont en face de toi, je veux dire, à un moment donné, ce serait de la mauvaise volonté de pas aller les chercher, quoi. Il y a ça aussi, quand même. Mais, ouais, du coup, ouais, pour revenir à Hitman, parce que là, sinon, je vais encore oublier, je préfère le dire maintenant. Et du coup, ouais, j'ai découvert avec le premier épisode, j'ai pas forcément tout joué, j'avais acheté il y a... Ça remonte à 4 ans, maintenant, 4 ou 5 ans, à peu près, j'avais récupéré une... Enfin, récupéré, non, je les avais achetés. Sur PC, il y avait une... En fait, il y avait des offres que normalement j'achète rarement, mais je sur PC, quand ils sont sur console, je préfère les avoir sur console. Enfin, je crois que je voulais l'avoir déjà dit, ça. Je vais pas refaire une parenthèse là-dessus. Mais du coup, il y avait les 4 premiers, je crois, il me semble, dans la boîte. Et la boîte, c'était genre 10€. 10€ pour 4 jeux. Bah, easy, quoi. Enfin, je veux dire, forcément, t'achètes quoi, normal. Puis tu les as en boîte, quoi. C'est des jeux PC, certes, mais... Vu que c'est des gens anciens, tu les en boîte. Et il y avait aussi Absolution à ce moment-là qui était à 10€. Bon, après Absolution, ça fait un moment qu'il est sorti, donc c'est normal qu'il soit à ce prix-là. Et du coup, pareil, il est techniquement en boîte et tout complet, je crois, de mort. Il n'y avait pas forcément. Enfin, c'était pas juste un launcher tout pourri où en fait ton CD, il n'y a rien dessus, quoi, je veux dire. Donc techniquement, tu peux y jouer quand tu veux. Et par contre, ouais, celui-ci est rattaché à Steam, donc même si j'avais pas la boîte ou le jeu chez moi, je pourrais le DL sur Steam. Mais j'ai toujours pas joué, j'avais installé tous les jeux. J'avais commencé à jouer au premier, puis je sais pas, il a fait que je suis passé à autre chose au bout d'un moment. Mais ouais, faudrait que j'y refasse, ou que j'y joue même, parce que comme je vous le dis, j'ai pas joué à tous les Hitman. Mais c'est une licence que j'aime bien aussi, parce que par nostalgie aussi, j'aimais bien le concept, qui est c'est un petit peu une vision différente de ce que proposaient les autres jeux d'infiltration, comme Splinter Cell ou Metal Gear Solid, hein, pour les plus grands porte-étendards de ce type de jeu, on va dire. Mais Hitman est pas mal, hein, c'est juste que là, c'est plus l'art du déguisement, qui est assez cool. Et puis voilà, t'as plusieurs façons de tuer les ennemis. Puis surtout que là, ça s'est vraiment beaucoup amélioré de ce point de vue-là, là, dans les derniers, justement, avec l'espèce de reboot qu'ils ont fait. Donc il y a énormément de possibilités de tuer les ennemis et tout. Enfin, c'est très créatif, en fait, et du coup, c'est énorme, en fait. En fait, tu te dis, quand t'as terminé le jeu, tu te dis, voilà, t'as terminé le jeu pour avoir, mais en fait, non, pas du tout. Quand t'as terminé le jeu, t'as exploité quoi, 5-10% du potentiel du jeu, finalement. C'est vraiment un jeu qui trouve tout son intérêt dans la rejouabilité des missions pour tuer différemment tes adversaires, ou même découvrir soit des lieux différents ou des événements différents, parce que selon ce que tu vas faire, y a des situations différentes qui se présentent, etc. Quoi. Mais c'est vrai que c'est des jeux qui me font vraiment envie, les derniers, là. Peut-être qu'un de ces quatre, je les achèterai, parce qu'en plus, faut savoir que le deuxième... Enfin, si vous avez déjà acheté le premier et que vous achetez le deuxième, dans le deuxième, ça vous permet de faire le lien avec le premier et de re-télécharger. Alors, je sais pas si c'est un patch, je sais pas trop comment on peut le désigner, ce truc-là. Mais en gros, à partir du deuxième, vous pouvez rejouer à toutes les missions du premier, mais avec des améliorations de gameplay qui ont été rajoutées dans le deuxième. Notamment, je crois, il y avait un truc, c'était, par exemple, les IA peuvent te voir dans les miroirs. Donc ça change beaucoup la donne, faut faire vraiment attention aux environnements, s'il y a des miroirs, faut pas se faire cramer et tout. Un truc qui est... Enfin, dans tous les jeux, normalement, les miroirs, c'est juste un effet esthétique, mais qui n'est jamais pris en compte par les IA, quoi. Donc c'est vraiment un truc très intéressant, il y a des mécaniques vraiment très cool. Donc voilà, c'était la petite parenthèse Hitman, parce que sinon, c'est vrai que c'est pas... J'aurais pas l'occasion de vous en reparler, parce que du coup, oui, pourquoi... Je n'avais pas parlé plus tôt, je vous ai expliqué, parce que des fois c'est potentiellement pour éviter de mettre des pistes sur les prochains walkthroughs.
Mais c'est aussi parce qu'à la base, j'avais un petit peu envie de vous faire le premier en Walkthrough, et puis finalement, il s'avère avec le temps que j'ai changé d'avis. Comme d'autres jeux que j'aurais pu vous proposer où j'ai changé d'avis. Pas de gros motifs particuliers, mais bon, voilà, j'ai changé d'avis. C'est ce qui arrive, quoi. C'est tout. J'ai pas plus d'arguments à sortir pour ça. Bon, en tout cas, c'est une série que je vous conseille fortement pour ceux qui aiment bien tout ce qui est jeu d'infiltration et tout. C'est une très bonne série qui est un peu sous-cotée et qui mériterait peut-être plus de visibilité, surtout ces derniers temps. Alistair, je suis dans la base. Vas-y. J'avais raison. C'est un vieux projet soviétique des années 50, appelé Karbolek. Le laboratoire étudiait un ancien morceau d'épée. Mais un événement mystérieux a forcé le KGB à intervenir pour faire le grand nettoyage. Ou presque. On dirait que ça barre d'en dessous. Je crois que t'arrives juste à temps. Voir un peu trop tard. Les Kazakhs se battent avec les hommes de Rutland. Oudamanda, elle est forcément derrière tout ça. Le labo est relié à cette base militaire. On ne sait pas comment. Si tu trouves le poste de commandement, on devrait être fixé. Il suffit simplement que tu attendes que les tirs se calment et tu devrais... Oh, voyons, Zip. On attend quand on est patient. Ou qu'on n'a pas de parachute. Je regarderai bien encore un peu, mais vas-y. Saute quand tu es prête. Ça marche, alors je vérifie, alors je crois pas qu'il y ait de trésor ici, on ne sait jamais. Donc là du coup on change littéralement d'ambiance, hein, puisqu'on arrive en terre enneigée, je crois que c'est... Bon, de toute façon c'est pas la première fois qu'on l'a vu dans le... la série. Hop là, parfait, j'arrive pile au bon spot. Mais tu viens de sauter en plein dans un nid de frelons. Bah ça tombe bien, j'ai de quoi les éradiquer les nids de frelons. C'est le défouloir ici. Alors, est-ce qu'il y en a encore d'autres? Ah, il y a un survivant. La vieille glissade, quoi. Et je crois que c'est fini, puisqu'il n'y a plus de musique, donc ça a l'air d'être fini. Je vais péter toutes les caisses au passage. Comme ça, s'il y a des trésors, au moins, je serai averti. Puis vu que c'est plus rapide avec la mitrailleuse aussi. Ah bah tiens, on va là-bas. Et je crois que c'est tout. Peut-être... Il y a peut-être un trésor dans celle-là, mais j'arrive pas à la viser avec le toit. Pas grave, on le fera comme des grands après. Voilà, donc c'était un carnage, hein, clairement. On s'est fait plaisir. Ah bah tiens, il y a d'autres renforts. Alors c'est quoi ici par contre? J'arrive pas à voir ce que c'est, on dirait une espèce de sphère. Mais... Je sais pas. Ah, je me trompe de touche à chaque fois, ça a l'impression le mec qui a un PLS avec les touches. Voilà. Fait le plein de mun. Impeccable. Alors, qu'y a-t-il ici? Beaucoup de stock d'armes, voyons. J'aimerais bien changer d'armes, mais bon, c'est toujours les mêmes. Bon, il y a quand même un choix varié d'armes, hein, puisque avant, mine de rien, il y avait quoi? Pistolet, magnum, arbalète, lance-greux, fusil à pompe. Je crois que c'est tout. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Bon, des fois, il y avait peut-être d'autres armes par-ci par-là, mais c'était assez rare. Si, il y avait les Uzi aussi. Bon, en gros, il y avait 5-6 armes, quoi. Donc là, là pour l'instant, on a fait quoi? Un fusil d'assaut, un pistolet mitrailleur, un fusil à pompe. Avec notre arme de base, il y en a 4. Alors, faut savoir aussi qu'il y avait une arme
En plus, dans la version... Alors, je sais pas si c'est la version bêta ou alpha du jeu. En tout cas, en cours de développement, ils avaient prévu une autre arme. Et ça a été retiré. Ouais, je vois vraiment pas ce que c'est, par contre. Ou c'est une assiette, peut-être, je sais pas. Non, parce que ça a l'air vraiment d'être sphérique, totalement. C'est bizarre. Mais ouais, à la base, ils avaient prévu aussi d'inclure le lance-roquette. Mais dans la version finale, ça n'existe plus, même si apparemment, de ce que j'ai vu sur internet, il y a quand même moyen d'y accéder, mais de manière non traditionnelle. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment en hackant le jeu ou en utilisant le menu debug, je crois, sur PC notamment. On peut utiliser le lance-roquette, mais je crois qu'il fonctionne pas très bien. Je crois qu'on peut tuer avec, mais les dégâts de zone sont pas pris en compte ou quoi. Enfin, il est pas tout à fait codé, entre guillemets, puisque à partir du moment où si les mecs ils se sont dit, bon, bah finalement on s'en sert pas dans le jeu. On va pas se faire chier à peaufiner une mécanique de jeu qui sera pas implémentée, quoi, si vous voulez ce que je veux dire. C'est tout à fait logique. Mais du coup, ouais, c'est... Ça faisait partie des armes qui, à la base, étaient prévues. Ça aurait pu être cool, c'est dommage qu'ils n'aient pas gardé ça. Pour se défouler, c'est marrant, quoi. Genre, en New Game Plus, tu défouleras des ennemis avec un lance-roquette, ça peut être drôle. Mais ils n'ont pas gardé ça. Alors du coup, est-ce qu'il y a un trésor? Ça allait, hein, on dirait qu'il y a un truc qui brille. Hein. Ça n'a pas l'air qu'à ça, mais il y a vraiment... Enfin, c'est à cause du grillage, peut-être. Mais ça, ça donne vraiment l'impression qu'il y a quelque chose devant. Quoi. Par contre, pour y aller, du coup, il y a une nacelle ici. On passe par là. Ah ok, il faut grimper par là. Je regarde ce qu'il y a d'autre là-bas. Je sais plus s'il y a d'autres coins accessibles. Je sais qu'après il y a une suite par là-bas là. Mais avant ça. Je fouille autour. Pour être sûr de ne rien louper. Et apparemment, il faut croire qu'il n'y a rien d'autre. Donc du coup je vais aller là-bas, je vais voir comment on grimpe. Je sais plus si à l'intérieur il y a une échelle ou quoi. Ah bah tiens, en parlant de ça. La voilà, elle est pile en face. Voilà, nice. Ah bah tiens, petit survivant. Bon, d'accord, si elle commence à pas vouloir choper les échelles, ça va pas le faire. Je veux pas grimper en plus, putain le merdier. Ah d'accord, je suis mort, j'ai pas compris. Hein. Il devait y avoir une grenade de lancer, mais je l'ai pas du tout vu arriver celle-là. C'était cadeau, merci. Je m'en souviendrai. Je vais essayer de bien choper la corniche, et toi, ça pourrait être cool de réussir à choper la tyrolienne tant qu'à faire. Ah, ça me prie. Oh mais merde! Je comprends pas pourquoi ça arrive pas à choper. Elle est là! Je suis là! Bah ramenez-vous, écoutez. Avancez! On n'a pas trop le choix. Ça, c'était une mitrailleuse, j'avais même pas calculé. Les petits soins qui font très plaisir, là, j'en avais besoin. Alors, c'est quoi ça? Ah oui, il y a le lance-grenade aussi. Ça, c'est cool, ça. Bon, les munitions partent très vite, mais ça doit être ça qui m'a dégommé, du coup. Vu que j'ai pas eu la grenade arriver, je pense que c'est parce que la grenade a pété direct et j'ai pas capté ma vie, quoi. Vous êtes américaine? Britannique. On dirait que nous avons un ennemi commun. Où est le poste de commandement? Не отвечает. Что здесь нужно? Погоди! Если она использует код исключат, сработает тревога, и центр призовет подмогу. Это что? Мы здесь охраняем только снег и звериную мать.
хочу, или ты хочешь сам идти? Par la porte. Le code est K1879. Спасибо. Поделайте меня удачи. Quelle chance, Lara maîtrise toutes les langues du monde. C'est plutôt pratique dans ce genre de cas. Bon, il n'y a pas de trousse de soins dans une infirmerie, c'est fort dommage. Je m'attendais un peu à ça quand même, mais non. Ah, ça pète pas direct la grenade. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Ah, rien à foutre, le mec qui bute ça au corps à corps, il n'y a plus de respect. Bon, ça y va les lance-grenades, faut peut-être se calmer, il sort d'où. Donc, ouais, bon, il y avait toujours l'histoire des tyroliennes, là. Moi, j'aimerais bien choper mes trésors, quand même. Je vais essayer de regrimper sur le toit, il y a peut-être un moyen de gruger un peu, là. Ça m'embêterait, quand même, de passer à... Bah, notamment pour l'avant, en fait, quoi. Parce que là, il y a une caisse, mais il y a des barbelés, donc je peux pas passer au-dessus. Quoi, je vais pas avoir le choix, c'est avec la tyrolienne, mais d'ici... peut-être là... Pas l'air faisable. Bon, tant pis, on verra après. Peut-être que je vais revenir par là. Parce qu'il me semble que la suite du niveau est par là-bas en fait. Espèce de tunnel sous la montagne. Peut-être que ça sera par ici que ça se passe. Oh putain, j'avais zappé ça. Dans vos gueules, sont pris à leur propre jeu. Un bigger dong. Intéressant. Je sais pas si c'est un jeu de mots ou quoi, je ne l'ai pas saisi, en tout cas c'est le cas. Y a-t-il autre chose? Faut croire que... Mais ouais, du coup, tout à l'heure, il y avait une cinématique, je crois, ou un blabla, du coup, j'ai zappé ce que je voulais dire, mais... C'est vrai que c'est pas la première fois non plus qu'on vise des trucs en léger. Hein. Bon, déjà dans le premier, tout début. Mais je crois que c'est aussi le 3, il me semble, si je dis pas de conneries. Les experts me corrigeront, mais il me semble que dans Tomb Raider 3, il y a justement une phase où, t'es dans des milieux enneigés comme ça. Le labo ne doit pas être visible du ciel. Il faut les plans. Et voilà. Ça fait une trotte. À pied peut-être. Il y a un train militaire qui passe devant le labo. Les sbires d'Amanda ont pris de l'avance. Il faut que j'y aille. Bon, d'après le satellite, ton train va bientôt partir. Tu ferais mieux de courir vite. Et de mémoire, je crois que ça va être une séquence en moto avant que ça soit le train. À moins que je me trompe, hein, mais il me semble. Peut-être ça va peut-être être l'occasion de récupérer cette ce fameux trésor avec la tyrolienne. Impec. Il n'y a plus qu'à. Bon, là, j'y vais à la zob, rien à foutre. Bon, ils peuvent pas me tirer dessus, là, c'est cool. Quand on peut pas se barrer. Lulz. Il faut que je saute. Bah non. Attends, là je comprends pas. C'est quoi ce délire? Je suis coincé. Ah tiens, d'accord.
Eh, ils ont fait ça comme ça. On va te balayer les couilles, on casse tout. Ouais, pour ça, faudrait que j'arrive à me barrer d'ici. Peut-être en passant sur ce toit. On va essayer. Oula, putain, et arrêtez là, putain, ils sont chauffés les mecs. Ah d'accord, ok, je me rappelais pas qu'il fallait se bailler le cul à ce point-là, d'accord. Bon, pourquoi pas. En plus, c'est tellement débile ce truc-là, finalement, parce que quand vous allez voir, on va arriver, y a rien de... genre, fallait se dépêcher, quoi. C'est du bullshit, quoi. C'est pas grave. Par contre, je crois que ça a pris en compte le trésor, je pense. Il me semble que quand on fait comme ça, ça prend en compte les trésors. Sinon, je vais voir s'il y a un truc qui brille, c'est que c'est ça. Ah, remarque, non, il a l'air d'être toujours là. C'est merde, fait chier. Ouais, bon, allez, tant pis, c'est pas grave. Vous voyez où il est, au pire, si ça vous intéresse. Bon, t'inquiète, cette fois, normalement, je serai pas là-bas. Permettez, je prends la moto et je me casse. Ah. Allez, c'est tipeur. Donc deuxième coup de moto, je sais plus combien il y en a en tout dans le jeu. Je pense qu'il doit en avoir 3 maximum. Enfin, j'ai pas le souvenir qu'il y en avait beaucoup plus. Donc comme d'habitude, en même gameplay, c'est juste le décor qui change, quoi. Tout simplement. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il détache les wagons. Donc même simplicité de gameplay aussi, non, bien entendu. Il y a juste à rester appuyé sur la gâchette tirée et puis tu te déplaces. Encore une fois, c'est le même souci de ces phases de jeu. Ils sont beaucoup détestés par les joueurs, je crois. C'est vrai que j'ai regardé pas mal d'avis de joueurs, même de youtubeurs qui refaisaient le jeu, souvent c'était pas glorieux. Je pense que l'intention était là, mais c'était pas folie. Par rapport à un Uncharted, c'est vrai que forcément tu vas comparer, c'est un petit peu les deux dans le même genre action-aventure, mais... Uncharted, quand il y avait des phases en véhicule, voilà, tu peux sauter sur les véhicules, c'est plus spectaculaire. C'est plus diversifié que voilà, juste rouler et tu restes appuyé sur la touche tir. Bon, après, c'est pas les mêmes époques. Hein. Attends, je voulais choper les sons. C'est pas les mêmes époques aussi, hein. J'en ai bien conscience, évidemment. Mais bon, ils auraient pu techniquement le faire. Hein. C'était pas impossible pour eux de faire ça sur console old-gen. Heureusement, par chance, il y a une bifurcation pour nous. Et par chance, il y a aussi des 30. J'ai pas réussi à prendre le soin. Je voulais pas trop forcer parce que si je me foire dans le virage, c'était la chute. Donc, j'ai pas voulu trop prendre de risques. Wow. Oh oh oh. Oh oh. Et merde. C'est pas prévu. Un peu foiré. Artwork assez sympa. Ils sont bizarres par contre les artworks au niveau de leur définition, j'ai l'impression que c'est la basse définition qui sont juste écartés. Parce que même dans certaines cinématiques, des fois, t'as l'impression que c'est quand même la haute résolution, mais c'est bizarre. Il y a un rendu assez pixelisé, c'est bizarre. Je sais pas trop comment dire ça.
Vous l'avez sûrement constaté, peut-être que ça se voit moins avec YouTube, parce que YouTube, il y a quand même là forcément une compression qui se fait, donc ça floute un petit peu l'image, donc ça cache peut-être un peu moins le côté rectangulaire de la chose, enfin carré de la chose. Mais ouais, il y a une espèce de petit visuel bizarre. Sûrement un ersatz des versions old gen. Automatique qui est parti en couille là, tu sais pas trop pourquoi. Ah, ça va les gars, c'est bien de rentrer dans les murs. Ça fait quelle sensation, je suis pas heureux de savoir. Bien choper les sons, mais à chaque fois il faut se taper des virages de folie. Voilà, il y a beaucoup de véhicules, c'est pas bien le délire. Là j'ai plus de soin, donc ça serait bien que ça se termine. Je pense qu'on va pas tarder à arriver au bout, à la deuxième phase. Petit checkpoint, au moins si je meurs il y aura toujours ça pour me sauver. D'accord. J'ai pas vu arriver le truc. Ah bah excuse. Oh, putain, ça ralentit de ouf. J'aime bien le mec qui change de ton direct. T'sais. Serious guy activated. Ah ça y est, là j'arrive. Au bout. Hop. Il me semblait que j'arrive au bout. Ah c'est peut-être celui-là alors, non? Ah pas encore. Putain mais wesh, je me mange des trucs, je les vois pas. Ça tourne mal. Parce que normalement on va finir par sauter sur le train avec la moto. Ah bah voilà, c'est peut-être ici. Voilà. Bah pourquoi? Et au revoir le manteau de Lara, malheureusement, il a pris feu. Bon, c'est un prétexte aussi pour changer légèrement sa tenue, puisqu'elle va rester en intérieur cette fois. Hop là! C'est un coup à se refaire une coupe de cheveux. Merde, je pensais avoir appuyé mais trop tard. Ce sont des choses qui arrivent. Mais ça rame toujours autant. Je suis choqué par le truc parce que même ce genre de face, ça rame de ouf. C'est l'optimisation est morte et décédée. Hein. Ils sont pas fait chier à essayer d'améliorer quoi que ce soit.
de sortir d'un accident de train. Pas toi? Tu m'étonnes. Amanda est déjà à l'intérieur et la porte est fermée. Et maintenant? Il y a un conduit d'aération à droite de la porte. Le ventilateur tourne, elle a branché le courant. Comment vas-tu? Je trouverai un moyen. Donc je pense que vous comprenez l'idée de pourquoi c'était pas si grave de louper le train. Donc, déjà d'une pour le crash et en même temps parce que Amanda arrive quand même avant. Donc change pas grand chose quoi. Mais bon, pour des raisons de gameplay, ils nous ont cassé les couilles à se dépêcher quoi. Alors ici du coup on va arriver dans le laboratoire et il y a des trucs assez sympas avec l'énergie électrique. Les bobine test là et tout je crois de mémoire, c'était assez sympa de mémoire à faire. Y a-t-il des choses en particulier? Bon, il y a une corde, c'est déjà ça. Par contre, comment je vais la choper? Est-ce qu'il y a des échelles? Elle va pas s'agripper au bord, bien. Ah, peut-être... Ouais, mais c'est bizarre quand même. Je pensais pas que c'était comme ça. Ou sur cette passerelle peut-être. Ah voilà. Donc. Voilà. Et quand on va sauter dessus, elle va aller en face. Ah, c'est pas beau la vie. Ouh, c'était limite ça. Très très limite même. On a combien de temps? Oh putain, hop hop hop, bah écoutez, au revoir. Là j'ai pas vu le temps passer, là je me suis dit, j'ai peut-être regardé et j'ai bien fait parce qu'on est déjà à 53 minutes. Donc on va s'arrêter ici. On a quand même bien avancé, ça va. Bon, je me suis fait pas mal violer quoi. Mais bon, ça fait un petit peu de challenge comme on dit. Donc je relève le défi haut la main, y a pas de soucis. Je suis bon joueur, je ne vais pas rage quitte pour ça. Alors je sais pas exactement à combien de... comment dire, à quel niveau on est. Je me rappelle plus exactement combien il y a de niveaux dans le jeu. Je me rappelle de certains niveaux d'après, mais je pourrais pas vous dire. Mais peut-être qu'on doit être à la moitié du jeu maintenant, je pense, depuis le temps. Il me semble pas qu'il y ait énormément de niveaux. Je crois que c'est peut-être 6-7 niveaux, un truc comme ça, si j'ai pas de conneries. Je pense que je vais vérifier sur internet, je vous dirai ça dans les vidéos suivantes, au pire. Mais voilà, je pense qu'on est déjà arrivé à la moitié du jeu, pas long en tout cas. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter comme d'habitude, et puis on se dit à la prochaine du coup pour la suite, pour l'épisode de 7 normalement, si je me trompe pas. Voilà. Allez, à plus.